Mes amours, ah, je suis trop contente de vous retrouver parce qu'on va essayer de faire un petit truc super sympa. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Ah ouais, je suis trop contente. Je vous explique comme ça en quelques mots. Voilà, j'avais envie de m'en faire une petite paire de boucles d'oreilles, mais quelque chose de super simple, gorgeous. Ouais, je suis à fond dans les ballons. Non, je sais pas, j'étais à fond dans les gorgeuses. Et puis je me suis dit, je voudrais me faire une petite paire de boucles d'oreilles. Mais, je voulais la faire simple. C'est-à-dire, bon, je voulais faire la boucle d'oreille et comment faire le tuto pour que vous puissiez vous le faire de chez vous sans aucun matériel. Mais je dis bien sans aucun matériel parce que, bon, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez très bien que ça fait un moment que je fais des boucles d'oreilles, donc évidemment j'ai eu le temps d'acheter des trucs, du matériel, tout ça. Bon, enfin bref, hein, donc ça va. Mais mon but, c'était pas ça. C'était pas du tout de faire quelque chose avec des cabochons, des breloques. Non, 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 non. J'ai dit non, je veux me mettre à la place de quelqu'un qui veut se faire une petite paire de boucles d'oreilles super sympa. Et je blablate, hein, vous avez vu? Et c'est reparti, c'est reparti. Mais non, mais je suis contente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis contente. Et puis, comment? Du coup, je sais plus. Bah voilà. Nathalie, elle a perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, donc je disais. Ouais, bah je sais plus. C'est malin, hein? Oh non, hein? Bon, la prochaine fois, je m'arrête plus quand je commence à parler, hein? Sinon, après, bah voilà. Voilà ce qui arrive. Oui, donc je disais que j'étais super contente, en fait, de penser aux personnes, hein, qui veulent se faire une petite paire de boucles d'oreilles sans matériel. Et voilà. Et voilà. Bah non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Alors, bien sûr, il vous faudra quand même, évidemment, ça. Des attaches, hein, des petits supports pour mettre sur la paire de boucles d'oreilles, parce que, bon, vous n'allez pas mettre un clou non plus à votre oreille, hein. Bon, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, c'est la seule chose qu'il vous faudra. Voilà, ça, vous voyez. Bon, alors, soit vous mettez, si vous avez les oreilles percées, soit vous mettez les... Comment dire, enfin, sont, de toute façon, on s'en fiche, mais voyez, soit vous mettez comment, des petits cabochons, il suffira juste de le coller dessus, hein, avec pour les oreilles à pincer, hein. Bon, enfin voilà. Alors, donc, c'est la seule chose, je veux dire, qu'il vous faudra. La seule chose. Et non, je suis trop contente. Non, puis ça faisait un petit moment, mais je voulais vraiment faire un truc. Vous savez, bon, j'ai toujours tendance à mettre des grosses boucles. Bon, Nathalie, tu nous les montres, ces boucles d'oreilles. T'arrêtes de blablater. Oui, allez, j'arrête de blablater. Mais non, mais hier, j'étais au téléphone avec ma petite Mumu. Ma petite Mumu, je te fais plein de gros bisous d'amour. Et puis, je sais pas, je parlais de boucles d'oreilles. Puis je lui dis, ouais, c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite paire de boucles d'oreilles. Super simple. Et puis, je me suis dit. Ouais, j'ai envie de me mettre des petites boucles d'oreilles toutes simples, toutes mignonnes, toutes petites. Enfin, moi, je dis toutes mignonnes. Vous voyez, regardez. Elles sont petites, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, des fois, ça change que mettre. Moi, je mets souvent des grosses boucles d'oreilles et tout. Mais là, non, ça change. Bon, alors, voyez, on y va, hein. Bon. Ah, quand même, hein, Nathalie. Bon, alors, vous allez photocopier sur Pinterest. Vous allez sur Pinterest, hein. Voilà. Vous allez retrouver, vous allez taper des photos de gorgeuses, hein, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Donc vous tapez image gorgeuse ou photo gorgeuse. Non, image gorgeuse, je crois. Hein. Bon, enfin bref. Donc vous imprimez, voilà, le dessin. Non, voilà. J'allais dire, ou même des fois, quand on achète des cartes gorgeuses, des fois vous avez aussi des petites images. Hein. Mais enfin bon. Donc vous voyez, voilà, on imprime. Donc déjà la première chose, on imprime. Ensuite, il nous faudra quand même. Bon, ça, j'ai essayé de penser qu'est-ce que vous pouvez mettre à la place et vous n'avez pas. Attendez, je suis en train de penser. Vous voyez, il faut des cabochons comme ça. Des petits cabochons à coller. Voilà, ça, c'est de la résine. Hein. Bon, moi, ça, j'ai ça, je vous dis, c'est depuis perpète, hein, depuis que je fais les boucles d'oreilles. Bon, alors maintenant, vous allez me dire, ah ben oui, mais ça, j'en ai pas. Voilà, parce que c'est sûr qu'on n'en a pas toujours. Alors, je ne peux pas vous garantir, mais si avec des petites feuilles de rhodoïde. Attendez, je vais regarder. Ça, j'ai pas pensé par contre. Attendez, voir. Est-ce que ça pourrait le faire aussi? Vous voyez, des petites feuilles de rhodoïde.
Je peux pas dire, hein, j'ai pas testé, hein, mais si on va essayer de tester ensemble, tiens, comme ça ce sera clair. Bon, alors ici, vous voyez, donc moi j'ai plus d'images, hein, bon, celles-ci, voilà, elles étaient deux, j'en ai plus une qui sont en double. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci, ma deuxième feuille, elle est où? Je ne serai jamais, je dis bien jamais, organisée. C'est impossible. Pourtant, je vous assure. Non, mais je ris. Hein. Ah, ça y est, c'est là. Faut même pas pourquoi je suis allée le ranger en plus. Hein. Non, c'est impossible que je sois. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, enfin voilà. Donc, voyez. Hop, 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 hop. Alors, comme j'ai plus d'images rondes, bah, je vais prendre des carrés. On va prendre une petite perfo. Il vous faut quand même une perforatrice. Alors, maintenant, il vous faut. Non, il ne faut pas spécialement. C'est du combien? 2,5 cm. Ce que je veux dire, vous n'avez pas de perforatrice, bah, vous faites un rond, vous avez bien trouvé un petit rond qui fait à peu près 2 cm, quoi, je veux dire. Hein? Bon. Alors, on va faire. Oh, attendez, 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 on va baisser. Ça sera mieux. Ça sera. Voilà. Alors, on va déjà. Donc, moi, je vais. Voilà. Hein? Hop. Voilà. Toc. Et bon, les autres, elles étaient rondes, donc c'était plus facile. Enfin, plus facile. Alors, donc, on va faire les deux. On va essayer de faire les deux choses en même temps. Enfin, pas en même temps, l'une après l'autre, ce sera peut-être mieux. Hein, Nathalie? L'une après l'autre. Mais oui. Ouais, non, mais moi, c'est parce que je fais toujours toutes des choses. Bon, alors. À la fois. Bon, alors, admettons, si vous avez des petits cabochons, on va faire les deux techniques. Hein. Je n'ai pas pensé en fait. Hein. Bon, alors ici, vous voyez, si on a un gros cabochon qui fait cette dimension, à peu près 2 cm, moi, j'en ai pas. Donc, hop. Vous voyez, hop, je colle. Et maintenant, je vais découper. Tout autour du petit cabochon. Je vais mettre comme ça parce que. Mais oui, non, mais franchement, là, j'avais un petit moment devant moi, vous voyez, puis je me suis dit, allez, je vais me faire une petite paire de boucles d'oreilles. Là, juste avant comment, de reprendre le travail. Et puis. Oh, je me suis dit, mais oui, on va le faire ensemble. Alors, vous voyez, bon, là, c'est bien, c'est sympa, il suffit juste de coller, voilà, toc. Bon, maintenant, on va essayer de faire, enfin, c'est pas qu'on va essayer, on va le faire, avec du rhodouille. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est vrai que j'avais pas pensé. Et puis, là, d'un seul coup, là, comme ça, je me dis, mais ouais, mais bon, attends. Voilà, il est où le truc? Ah, oh, il est là. Voilà, il est là. Là, ça, je vais le mettre là parce que sinon, je sais, hop, ça va être pénible pour. Alors, la deuxième image. Alors, la deuxième image, bon, évidemment, là, elle va être à la même dimension. Moi, c'est pas ça que je vais faire. Je veux voir avec de la colle. Alors, je vais mettre ça. C'est la colle de chez Action, hein. Je veux dire, c'est celle-ci, c'est celle qu'on utilise. Attendez. J'allume la lumière parce que franchement, c'est celle-ci en fait. Hein. Voilà, le taquiglu. Hein. Voilà. Bon, alors, voyez, hop, j'en ai mis sur le rhodoïde. Maintenant, je vais. Parce qu'en général, quand elle sèche. Voilà. Mais on va bien quand même. Voyez. Voilà, bon, j'espère. Attendez. Ouh, coucou, coucou. Attendez. Oups, là, là, là. Ça, c'est rien que pour faire le test. Oh, impeccable. Oh, bah alors, écoutez. Alors là, franchement, je suis super contente, quoi. Super contente pour vous parce que je me dis, si vous n'avez pas des cabochons en résine comme je viens de vous montrer, bah regardez. Regardez, franchement, pareil. Non, mais là, c'est bien. Vous avez vu, hein, quand on met la colle comme ça, on étale bien pour pas que ça. Voilà, on étale bien et après, voilà. Eh bien, écoutez, super.
Voilà, bah, je suis super contente. Donc, vous voyez, vous n'avez pas les cabochons? Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions à tout. Bon, là, je continue quand même avec mon petit. Voilà, hein, parce que de toute façon, les dimensions ne sont pas les mêmes. Bon, donc, on a fait ça. On va prendre. Là, c'est rien pour. Même si ça ne va pas trop dans le truc. Les couleurs et tout, ce n'est pas grave. Hein, vous voyez, celle-ci. Voilà. Hein. Bon, alors là, maintenant, il faut un petit rond. Un petit rond qui fait. Bon, ça, c'est les petits dies que j'ai achetés à Action. Alors, c'est pareil. Ouais, il fait 2,5 cm. Il est un petit peu plus grand, en fait, que ma perfo. Ouais, il est un petit peu plus grand que la perfo. Donc, si par exemple, vous n'avez pas. Comment dirais-je? Vous n'avez pas le dies, c'est pas un problème. Vous prenez quelque chose que vous avez sous la main. Vous savez qui fait un petit rond, quoi. Hein, qui fait... Bon, alors là, je vais le découper. Je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Oups là! Ah, mais c'est génial! Regardez le truc de du rhodoïde. C'est super quand même. Ah, mais c'est génial, quoi. Ah ouais, non, mais... Alors, je vais en faire un... Je vais en faire un seul puisque. Ah, mais c'est génial, quoi! Ah, ouais, surtout que j'avais pas du tout pensé avec le rhodoïde, quoi. Ah, ouais, non, mais là. Là, je suis trop contente. Bon, vous voyez, allez, on a sa petite découpe. Voilà. Hein. On prend du. Bon, moi, c'est les blocs de chez Action, là, le cardstock. Hein. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Alors, on va. Prendre sa petite image. Toc toc. Alors, on va pas la coller trop sur le haut. Voyez ici, parce qu'après, on va finir faire un petit trou pour mettre sa petite attache. Voyez? Donc, on va le coller un petit peu comme ça, hein, un petit peu plus en bas. Pas trop non plus. Parce qu'on va mettre son petit nœud de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bon, j'ai utilisé ça. Hein. Oui. Après, bon, la colle, c'est pas. Je veux dire, la colle, c'est la colle que vous avez l'habitude ah, que vous avez l'habitude d'utiliser. Hop. Ah, mais je suis trop contente qu'avec le rhodoïde, ça va aussi. Ah ouais, non, mais ça y est. Je suis contente là, hein? Ah, qu'est-ce que je suis contente. Mais non, mais je suis contente pour vous parce que je me dis, ah bah tiens, comme ça, voilà. Comme ça, vous avez vraiment tout le matériel chez vous, quoi. Hein? Bon, alors voyez, on va effacer. Non. Effacer. Pourquoi j'ai effacé, moi? Non, retirer. Bon, alors voyez, hop, on le colle. Hop. Après, on va mettre. On va prendre un petit nœud. Moi, c'est des petits nœuds qui datent, que j'avais acheté à Action, vous voyez. Tous ces petits nœuds-là. Et donc, évidemment, ils sont beaucoup plus grands. Donc, je les ai, comment? Je les ai rétrécis, hein, tout simplement. Alors, pistolet à colle. Bon, bah, pendant qu'il chauffe, on va laisser chauffer encore un petit peu. C'est pas encore bien chaud. Alors, on va prendre quelque chose de pointu, style aiguille. Alors là, je vais le poser parce que si vous faites votre trou comme ça risque de déchirer parce que faut, hein, c'est quand même, ça reste du papier, quoi. Hein. Alors, on va pas faire le trou trop ici sur le bord. Voyez, ici pas. Si vous le mettez trop là, faut garder en tête que c'est du papier. Donc évidemment, à force, ça va déchirer. Donc on va faire le trou un petit peu ici, un petit peu plus ici. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, il faut quand même le poser, le papier. Vous voyez, on va le poser comme ça. On va soulever un tout petit peu. Oh, bah, je mets ma main devant. Alors. Voilà, quand on a commencé. Voilà. Voilà. On prend un petit trou, hein, mais vraiment, vous voyez, moi, c'est mon petit truc que j'utilise tout le temps, là. Et c'est un coup de fil. Donc, vous voyez, hop, tac, 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 tac. Voilà, comme ça, le pistolet à colle. Ah, bah là, il est chaud. Hein. Donc, là, bon. Alors, on va mettre notre petit nœud.
j'ai oublié de vous dire et j'ai oublié de faire. Surtout les bouts quand vous le faites, hein, votre petit nœud. Quand on va couper, on brûle un peu les bords. Faites très attention de ne pas se brûler les doigts. Et on ne met pas carrément sur le nœud. Hein, le... Oh bah dis donc. Oh bah il est complètement. Vous savez, on doit. Bah la flamme, elle est. Elle a disparu, tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est fou quand même. Hein. Tout à l'heure, il fonctionne. Là, il fonctionne plus. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut juste passer la flamme. Là, non, je crois qu'il veut m'embêter, j'ai l'impression. Donc, on passe la flamme juste comme ça, hein, mais très légèrement, près du petit nœud, mais très vite, hein, parce que... Non, bah, c'est pas la peine. C'est rien, c'est pas grave. Alors, donc, hop là, on va retirer, toc. Bon, on va mettre un petit nœud. Tu peux te coller, je veux dire. Bon, du coup, j'en ai fait une, hein, puisque l'autre, voilà. Hop, voyez. Et puis après, on va mettre une petite perle. Alors, petite perle. Bon, je vais me mettre quand même un petit peu de. Heureusement, il n'est pas trop brûlant le truc parce que hop là, alors je vais couper ça, toc, voilà. Alors voyez, voilà. Et puis après, on prend notre petit support. Alors on va prendre notre petite pince. Je suis en train de me dire si vous n'avez pas de pince. Ouais, là, je pense que ça va être un petit peu en gênant quand même. Ouais, là, il faut quand même une pince. Hein. Bon, vous voyez l'ouverture. Alors, comment. Ah, quand on fait les boucles d'oreilles, il faut toujours suivre le mouvement. Vous voyez, alors, mettons, on va mettre. Là, on met la pince dans le petit trou. Vous voyez. Normalement, on travaille avec deux pinces. Hein. Toc. Mais bon, pour là, comme ça. Et on soulève un tout petit peu. C'est pas la peine de le lever trop haut parce qu'après, on n'aura plus la forme. Vous voyez, donc là, c'est bien. Même un tout petit peu plus. Allez. Vous voyez, comme ça. Un tout petit peu plus. On met. Oh, il y a des fils de colle. On met notre petite. Voilà. Toc. Quand on a pris, on a fait ça. Vous voyez, on suit le mouvement. Voilà. Et voilà. De toute façon, ça c'est vraiment quelque chose de qui va être très léger. Donc, voilà. Hop. Voilà. Et on donne un petit peu là, comme ça, c'est vraiment. Quoi que je vous dis, là, c'est vraiment. C'est une matière vraiment super fine. Donc, il n'y a pas de problème. Et on resserre bien comme ça. Hein. Bon. Et voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de dire. Oui, non, mais bon, de toute façon, ça, c'est pas la peine, mais parce que je vous en ai déjà montré dans les tutos, les anneaux, c'est toc, 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 toc. Vers moi, voilà. Mais jamais comme ça quand on ouvre un anneau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, pour l'instant, c'est pas la peine que je vous montre parce que bon, il n'y a pas lieu donc d'utiliser l'anneau. Vous voyez? Et voilà. On a notre petite paire de boucles d'oreilles. Donc, c'est vraiment tout simple. Tout simple, tout simple. Mais moi, j'aime bien faire des petites choses simples comme ça. C'est rapide, c'est surtout sans matériel. Vous voyez, moi, ce qui me plaît, là, vraiment, c'est de partager avec vous un petit tuto où, je veux dire, voilà, on veut faire une petite boucle d'oreille. Eh bien, voilà. Vous voyez, et ce que je veux aussi dire, en fait, c'est que parfois, quand on a envie de faire quelque chose, il suffit pas d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Vous voyez, il suffit d'avoir un petit truc, voilà, une petite idée et tout, et puis voilà, vous voyez le résultat, quoi. Hein? Hop, là, bah, si je me mets de l'autre côté, je sais pas du tout si on voit bien. Mais enfin, vous voyez, et donc, bon, bah, les miennes, elles sont là, donc je vais les mettre, hein, évidemment. Je vais les mettre comme ça. Et voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère. Tiens, je vais mettre comme ça. Voilà, il ira mieux comme ça.
Bon, enfin, moi j'étais super contente, mais super, 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 super heureuse de vous avoir retrouvé et puis d'avoir fait ce petit tour, ce petit tour, ce petit tuto avec vous de boucle d'oreille. J'espère, mais alors du fond du cœur, que ça vous aura plu. Voilà quoi. Et puis, bah, on se retrouve très très vite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais, je vous aime. Mais je vous adore. Non, mais je suis trop contente quoi. Je suis trop contente à chaque fois à chaque fois que je vous retrouve. Moi, c'est bon. De toute façon, vous le savez. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais c'est puissance 10 000 quoi. C'est puissance 10 000. Ah, ce moment-là que j'ai avec vous, ça n'a pas de prix, quoi. C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Bon, enfin, voilà. Je vous remercie infiniment pour tous vos adorables messages. J'adore ce bel échange qu'on a ensemble. Et puis voilà, quoi. Donc, merci, 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 merci pour tout. Et puis, je remercie aussi, donc, tous les amis qui viennent s'abonner sur ma chaîne, quoi. C'est génial, évidemment, c'est génial, hein. Bon, allez, je vous fais des énormes gros, gros, gros bisous d'amour. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis voilà, puis plein de belles choses. Plein de belles choses. Je vous aime, je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous, mes amours adorés.